Salut à tous les gars, c'est Tristan. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept plutôt sympathique qui combine FIFA et les challenge foot IRL. Donc hier après-midi je suis parti filmer 10 challenge foot, voilà des challenge foot assez basiques. Genre par exemple à chaque fois que j'ai une bonne sélection de joueurs dans une draft en ligne que je vais jouer, bah tout simplement si je réussis par exemple un challenge en un essai, bah je pourrais choisir parmi tous les joueurs. Si je réussis au deuxième essai, je pourrais choisir tous les joueurs sauf le dernier, etc, etc. Et si je réussis pas du tout le challenge, en 5 essais j'y arrive pas du tout, ou en 10 essais, et bah tout simplement je devrais choisir à l'aveugle. Donc en gros là c'est ma soeur ou mon frère qui va choisir un des challenges au hasard, qui va cliquer dessus, parce qu'évidemment moi je me rappelle quel score j'ai fait. J'ai pas mal de crédits, du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une draft en ligne. Allez, les formations, on part sur quoi? En vrai elles sont toutes pas ouf hein, je vais pas te mentir. Moi j'aurais dit 4-1-2-1-2 et tiré. Ça, donc c'est parti. Allez, le capitaine, ça va être qui? J'espère c'est du lourd, normalement oui, ouf. Ok, c'est pas incroyable, c'est pas du Messi ni du Ronaldo ou quoi. On a quand même du Sterling, Griezmann, Werner. Et donc là, Ludo va choisir un challenge au hasard. Petit filet challenge. Petit filet challenge, il a choisi le petit filet challenge. Ok, prochain défi, là ça va être le coup franc challenge. Donc je vais le mettre à peu près juste derrière. Là je vais essayer d'enrouler un coup franc côté opposé. Ça doit aller dans le petit filet. Voilà, donc c'est parti, 5 essais. Allez, premier essai. Oh non, c'est terrible. Elle était belle hein. Pour l'instant on appelle ça de la rame. Je rame là. Moi je dis dans ces cas là on a le droit à un deuxième essai. En vrai je refais jusqu'à ce que j'y arrive. Là c'est honteux. J'ai dû réussir en un bon 37 essais, un truc comme ça. Bon du coup voilà, comme vous avez vu, j'ai pas réussi, du coup bah je vais devoir faire à l'aveugle. Mais après ça veut pas dire que je vais avoir un vieux joueur, ça se trouve je vais avoir Sterling, tu vois. Ok, et je m'arrête maintenant. J'ai pris Sterling, yes. J'ai pris Sterling, incroyable. Oh, c'est encore un gros choix, ça va être qui? Ouh, c'est du sale, tu vas encore choisir là. Là ce qui serait le mieux, ça serait honnêtement Allison. Je vais choisir a crossbar challenge. Crossbar challenge normal. Crossbar challenge normal. Donc comme j'ai dit, si je le réussis du premier coup, j'ai toutes les cartes. Donc c'est parti, ça fait 3 mois que j'ai pas joué au foot, ça va être chaud, donc let's go. Premier essai. Deuxième. Oh non. Troisième. Ok, troisième essai. Ok, donc je l'ai fait en 3 essais, comme vous avez vu ça fait plaisir, du coup je peux avoir les 3 premiers joueurs. Du coup je peux choisir entre Navas, De Gea et Handanovic, et je pense que ce qui est le mieux pour cette équipe du coup c'est De Gea, même s'il a 86. De Gea est dans l'équipe. Ok, c'est pas trop mal, mais là on va pas utiliser parce que c'est pas ouf. On va prendre Gomez qui est très très fort, en plus si on la joue il sera très fort. Allez, on enchaîne, là c'est un bon choix je crois encore une fois. Ouh. D'un côté on a Walker qui est extrêmement cher dans le jeu et qui est très fort. D'un autre côté on a Casemiro qui rentre pas trop dans l'équipe, mais t'as vu sa carte. Du coup Milo, tu vas choisir encore un challenge. On va choisir les amis le poteau challenge. Poteau challenge. Donc Milo a choisi le poteau challenge, c'est parti, celui-là il est un peu dur. Ok les gars, donc là on est sur le City, le soleil se couche déjà alors qu'il est 15h, c'est une dingue. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais essayer du point de pénalty de toucher les deux poteaux d'affilée, c'est à dire poteau droit, ensuite j'enchaîne poteau gauche. Donc j'ai 5 essais et c'est parti. J'ai jamais vu ça. Wow, mes frères. On est déjà au troisième essai bizarrement. Ok, 1 sur 2, allez s'il te plaît. Oh shit, here we go again. Bon bah 4ème essai hein. C'est trop. En vrai faut que je le mette là, allez c'est bon. Yes. Yes. C'est maintenant ou jamais, j'espère que la position là numéro 1 c'est Lionel Messi hein. Heureusement que personne m'a vu. Il faut clairement dire que ça aurait pu mieux tourner. Bon du coup je fais à l'aveugle encore une fois. Je laisse tomber mes abonnés, je laisse tomber moi-même.
dans le futur, je me laisse tomber. Si j'ai Ginter ou Blind, oh non, c'est terrible. J'espère tomber sur Walker ou Casemiro, un des deux. À 3, je m'arrête. 3, 2, 1, boum. Yes, Casemiro, incroyable. On s'est tapé Casemiro, c'est franchement lourd. On enchaîne défenseur droit. Défenseur droit, qu'est-ce qu'on peut avoir en défenseur droit? À la limite, brésilien en vrai, hein. T'échanges ces deux là plus 9. Ouh, je pense que ça part sur un Télès, non? En vrai, on va prendre un Télès juste comme ça. C'est quoi? On va prendre Kimmich juste comme ça. Et MD, ça va être qui? Ouh, maintenant on va prendre Gnabry. Attaquant de pointe, c'est parti. Là, ça devient vraiment sérieux. Ça va être qui? Ouh, on va prendre Morata. Dernier. Ouh, oh non, c'est terrible. Si ce challenge là, je réussis pas en moins de 3 essais, j'ai pas Messi ni Mané. Quoi qu'il se mise, c'est parti. Tu choisis quoi? C'est quoi le no bounce? Ça veut dire faut pas que la balle rebondisse challenge. Oh bah alors je vais dire ça direct. No bounce challenge, c'est no parti. Bounce challenge, c'est parti, voyons ce que t'as fait. Ok, donc là petit challenge dosage, en gros je suis au milieu de terrain et j'essaye de marquer sans que ça touche le sol. Donc j'ai 5 essais, c'est parti. Si je réussis pas, c'est pitoyable. Premier essai. Non non, je suis pas d'accord frère, je suis pas d'accord. Carré. Bon, en vrai, je vous avoue, j'aurais dû réussir en un essai. Je sais pas ce que j'ai fait au premier. Mais c'est quand même bien, voilà, c'est mon meilleur score quand même. Hein. Ok, les gars, vous avez vu, j'ai réussi en 2 essais. Donc ça fait plaisir. Je peux prendre Lionel Messi. Honnêtement, Milo, t'as vraiment pris le bon challenge. Hein, je veux pas spoil. Donc Messi, c'est parti. 87 de notes pour l'instant. Maintenant, on passe au remplaçant. Encore un bon joueur, je crois. Oh, 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 c'est incroyable. Là, en vrai, ce qui nous mettrait trop bien, c'est soit Griezmann parce qu'il va en pointe ou soit De Bruyne. Ok, donc c'est ma soeur qui va choisir un challenge. Ok, je vais prendre le corner challenge. Attends, c'est parti, elle a choisi le corner challenge. Ok, maintenant très simple, on va faire un corner challenge. Donc je me mets sur le corner, je vois l'enrouler, fin. Allez, premier essai là. Premier essai. Deuxième, je la mets en vrai. Non. Troisième. Non mais là c'est trop. Je suis vraiment si mauvais que ça. Oh non. Dernier essai. Dernier essai. Bon, bon bah on rentre à la maison avec rien du tout pour celui-là aussi. Bon bah tant pis hein. Bon bah voyons voir ce que ça donne au niveau de la draft. Bon, encore un challenge que j'ai... Yes. Tu vois ce que je veux dire? Encore un mot que j'ai raté aussi. Encore un challenge que j'ai raté, malheureusement. On va faire à l'aveugle encore une fois. Si je tombe sur De Bruyne, honnêtement c'est non. Un bon joueur, Griezmann, même Hazard, ça me va. Non, non, j'ai pris Camp. Oh non, j'ai gâché une grosse occasion là. On enchaîne avec... Ouh. En vrai je vais prendre Reus comme ça, ça nous avance bien. On le met là-haut et... Ça fait rien, mais c'est pas grave. Oh, ouh, Salah, Ben Yedder, Kane ou Son, ça me va. Si on tombe sur Castile, j'arrête. En rectangle, basket challenge. Attends, et du coup là, c'est 10 essais. Donc j'explique, bah 2 essais, ça vaut comme 1 essai sur 5, t'as compris. Rectangle, basket challenge, on va voir ce que j'ai fait. Ok, donc là, c'est tout simple. Ce que je vais faire, c'est que du coup, bah, je suis au milieu de terrain du City. Je vais essayer de viser le petit rectangle au-dessus du panier de basket. J'espère décrocher mon premier 1 essai sur ce challenge, donc c'est parti. Quand je retrousse mes manches, ça veut dire quelque chose. Non mais là c'est une honte. J'espère décrocher mon premier 1 essai sur ce challenge. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le focus pour dire un truc pas intéressant à la caméra et ensuite j'ai oublié de le rechanger. Non. Sixième. Non, c'est trop. Septième, allez. J'ai réussi au 7ème essai, ce qui veut dire que du coup c'est le 4ème. En vrai ça va, ça aurait pu être pire, t'as vu mes premiers essais. Attends, mais dis pas que j'ai oublié de... Oh merde. Du coup voilà, j'espère qu'il y a des bons joueurs. Et du coup je peux choisir entre Castiles et Salah. Du coup évidemment je vais prendre Salah, il y a pas de débat. Attends, je peux mettre en défenseur central. Vous savez quoi, on va prendre Nelson Semedo, il a l'air plutôt fort. C'est quoi, on va prendre Tagliafico parce que c'est celui qui a le plus de général. En vrai de vrai, on va prendre Icardi, on va la jouer safe, mais parce que j'ai vraiment besoin d'un attaquant. Et ça fait plus 6 donc c'est cool. Allez, ça va être ok. Oh. Vous savez quoi, vu qu'il reste plus beaucoup de joueurs, on va utiliser les challenges maintenant, même si le choix n'est pas ouf. J'ai la concurrence comme Pépé. On va faire précision challenge. Attends, donc il a choisi précision challenge, let's go. Ok, on enchaîne, donc là vous voyez derrière moi il y a une balle jaune et il y a une balle aussi blanche dans les cages. Le but c'est quoi? C'est de en 5 essais d'essayer de toucher la balle blanche. Donc c'est parti, on va tester ma précision. Eh, c'est petit en vrai hein. Bon allez, premier essai. J'étais vraiment proche hein. Deuxième.
C'est incroyable. Là j'ai fait gauche, droite, normalement troisième c'est bon. Quatrième s'il vous plaît là. C'est incroyable. Et dernier essai pour l'honneur. Au moins je l'ai fait. On va dire qu'au moins je l'ai réussi, ça va, ça passe. Bon voilà, du coup je peux prendre que le joueur numéro 1, j'espère que c'est du lourd. Et donc du coup j'ai réussi au bout de 5 essais, donc je l'ai fait. Et du coup ça me donne 100 maximum, donc c'est plutôt lourd. On le prend et on peut le mettre ici même, plus 1. Allez défenseur, défenseur, oh, une légende. Oh, oh Van Dijk, ça serait vraiment parfait genre. Ou Ramos, ou la porte même. Faut vraiment que tu choisisses un challenge où j'ai réussi. Bon donc là ma caméra elle a coupé donc on n'a pas entendu, mais en gros mon frère il a choisi le challenge du crossbar coup du foulard. Allez là on passe au crossbar en coup du foulard. Là ça va être vraiment vraiment terrible. Mais après tout on sait jamais, voilà, donc on va essayer. Moi je prédis ligament croisé interne. Après on va passer sur le City parce que les challenges crossbar j'ai plus de force. Bon allez on fait crossbar, allez. Limite je me rappelle plus si je sais le faire ou pas en fait. Pas loin de ma prédiction là. Jamais 203. Non. Quatrième essai, grosse course d'élan. Non. Allez, dernier essai, j'espère que le joueur numéro 1 t'es un bon. Hein. Attends juste, je vais vous montrer ce que j'ai fait à la pelouse parce que là c'est grave. Regardez l'état de ça, c'est même pas mon pied d'appui, hein. C'est vraiment mon appui où j'ai frappé. C'est-à-dire j'ai plus frappé dans la terre que dans la balle. Bon allez Tristan du futur, débrouille-toi. Hein. Du coup comme vous avez vu, j'ai pas réussi le challenge, du coup j'ai dû prendre à l'aveugle une nouvelle fois. Comme vous voyez là je suis en train de scroller et comme par hasard je tombe sur qui? Carvajal frère. Donc après ça il restait que deux joueurs et c'était pas ouf, du coup je les ai pris et voici ma team complète à la fin. Bon voilà, il y a même pas eu centre collectif, j'avoue c'est vraiment pas ouf. Mais bon mon niveau au challenge ça m'a pas trop aidé quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit concept. Si vous en voulez plus, par exemple pour les taux types, on fait la même, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire. En tout cas, c'était Tristan, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Till we make it.